Parlons de la diversification des cultures de contre-saisons. Même si la plasturie dans la consommation des malgaches fait que la production rizicole demeure l'activité agricole la plus prépondérante, la situation très préoccupante de l'insécurité alimentaire touche une très grande majorité de la population ayant un régime très insuffisant en termes de quantité ou de qualité. Selon les stats, en 2020, 26% des ménages malgaches sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. Environ 1,14 million sur les 2,7 millions de personnes du Grand Sud de Madagascar sont estimées en insécurité alimentaire aiguë élevée selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire ou IPC. La situation dans les autres régions est tout aussi préoccupante car 16 sur les 22 régions sont des zones vulnérables aux catastrophes naturelles. C'est la raison pour laquelle, pour pallier en partie à ce problème d'insécurité alimentaire et de malnutrition, les acteurs du développement rural commencent à s'orienter vers la diversification des cultures et à la valorisation des terrains de culture en contre-saison. Les cultures de contre-saison permettent en effet une double valorisation des parcelles et donc une double production annuelle pour les producteurs. Elles constituent soit une source additionnelle pour satisfaire les besoins alimentaires des ménages, soit une source de revenus complémentaires pour ce dernier. La réalisation de rotations culturales saisonnières, comme une alternance riz, légumes, feuilles, par exemple, et la diversification des cultures sont incitées étant donné leur importance pour le maintien de la productivité du sol. Les intérêts de la diversification des cultures en contre-saison sont ainsi nombreux. Les productions peuvent être destinées à l'autoconsommation afin de compléter les besoins nutritionnels du ménage tant qu'en qualité qu'en quantité, mais aussi peuvent constituer également une source de revenus non négligeable en période de soudure pour les ménages, et tout en considérant le fait que la rotation de culture permet d'améliorer productivité du sol sur la prochaine culture qui suit. C'est dans ce contexte et dans le cadre du projet REST-CRP, dont l'un des objectifs est de développer et de tester différentes options de diversification agricole pour les systèmes de culture à base de riz sur 4 sites d'action, Côte d'Ivoire, Madagascar, Bangladesh et Myanmar. Cafricares a voulu tester différentes options de légumes et de légumineuses dans les conditions de bas-fond pour Madagascar à embouillage. Le test s'est déroulé sur plusieurs saisons successives depuis 2018. D'abord, la première année d'essai a consisté à la réalisation de tests de culture de 78 espèces différentes de légumes et de légumineuses local et importé afin de vérifier la durée du cycle de culture pour chaque espèce ainsi que la période de culture appropriée. Par la suite, avec une approche participative, ces 78 espèces ont été présentées aux producteurs de plateforme rizicole d'Abouyibar et les hommes et les femmes ont choisi séparément les 12 espèces avec lesquelles les tests allaient continuer durant les périodes de contre-saison de 2019 à 2021. Les espèces retenues sont le pétsaï, l'épinard, le haricot vert, le haricot, l'aubergine, l'aubergine africaine, le poivron, la tomate, la courgette, le concombre, la laitue et la carotte. Le résultat montre que 5 espèces sur 12 ont un rendement important qui équivaut
autant en valeur qu'en rendement de riz de 0,5 à 5 tonnes à l'hectare, ce qui représente une augmentation d'environ 13 à 125% du revenu agricole par an selon les espèces de légumes par rapport à la culture du riz seul. Les 5 espèces sont la carotte, 1,6 à 3,2 tonnes à l'hectare, la laitue, 6,4 tonnes à l'hectare, le pétail, 0,8 à 7,6 tonnes à l'hectare, l'épinard, 0,8 à 1,2 tonnes à l'hectare et la tomate, 1,4 tonnes à l'hectare. Ces recherches sur le terrain ont été accompagnées par une étude auprès de 150 producteurs au niveau de la zone d'essai, mais élargie aussi sur d'autres zones productrices avoisinant la ville d'Antirabé et assurant une partie plus ou moins importante de son approvisionnement en légumes qui sont entre autres betterave, manandou et anjan manilaj. L'étude est réalisée afin de connaître la situation existante en matière de diversification de cultures de contre-saison et leurs raisons ainsi que les contraintes y afférentes, et de connaître les pratiques actuelles liées à la production, au stockage, à la commercialisation des légumes dans ces zones. L'étude a fait ressortir que les activités qui génèrent environ 45% des revenus des ménages sont la riziculture, suivie par la culture de légumes racines, qui sont surtout la carotte et la pomme de terre. Les résultats démontrent également dans 95% des cas des producteurs enquêtés qu'ils exploitent déjà une partie de leur rizière en période de contre-saison. Et ils sont en majorité déjà conscients de l'effet positif de la pratique des cultures de contre-saison sur la valorisation et la fertilité du sol, ainsi que sur la sécurité alimentaire et la nutrition du ménage. Quant aux raisons déterminant le choix des espèces cultivées en contre-saison par les producteurs, elles sont diverses et peuvent s'expliquer par rapport à la durée du cycle de culture, le rendement de production, la résistance face aux divers stress comme le froid, l'irrigation, la facilité d'écoulement sur le marché, l'aptitude à la conservation, l'adéquation par rapport aux caractéristiques du terrain de culture ou encore pour la consommation du ménage. Mais une majorité des producteurs déclarent que ce sont le rendement et la facilité de commercialisation qui sont les principales raisons déterminant le choix des espèces cultivées. Il n'est pas étonnant alors de constater qu'une spécialisation par bassin de production se crée car les collecteurs propres à ces produits viennent directement auprès de ces zones, comme la production de choux et de carottes en Bouillie-Part et la culture de haricots verts et de petits pois en Manandou, etc. En conclusion, le froid intense qui sévit sur les hautes terres affecte la croissance de nombreuses cultures de légumes, légumineuses, ce qui limite ainsi les options de diversification des cultures à quelques cultures tempérées, et conduisant ainsi à l'adoption des mêmes cultures par les producteurs. Les produits arrivent en même temps sur le marché et les prix sont au plus bas à ces moments de récolte, ne valorisant pas les efforts déployés et arrivent à peine à couvrir les dépenses engagées par les producteurs. La recherche de variétés plus résistantes au froid et aux autres stress et maladies, ainsi que les techniques de conservation adaptées, doivent continuer et être vulgarisées. La mise en place d'un partenariat avec le secteur privé pourrait de même faciliter le transport et l'écoulement des produits dans tout Madagascar.